Je m'appelle Christian Bénigne, je suis éleveur charcutier. On est sur la commune de San Martino di Nota et là on est dans un des petits hameaux de la commune de San Martino di Nota qui s'appelle Canale. Mon lien, c'est moi, je suis un ami des sommeliers, ma femme donne des coups de main, elle travaille, elle faisait partie de l'association des sommeliers, mais elle y est toujours dedans et elle donne des coups de main. Donc voilà, c'est comme ça que je suis un peu impliqué avec le monde des sommeliers. Voilà. Mais bon, moi je suis pas très actif. Hein. Aujourd'hui, oui. ma production, on la trouve au village et sur les marchés l'hiver. Voilà. Après, c'est une petite production. J'ai une clientèle qui est déjà très très importante. Et bon, j'ai du mal à fournir parce que malheureusement, j'ai une production qui est à taille humaine, je dirais. Spécialité, j'en ai pas une spécialement plus qu'une autre. Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à maîtriser pas mal de produits, j'ai pas un produit plus qu'un autre qui peut sortir du lot. Pour moi, ils se valent tous. Donc aujourd'hui, on a dégusté du lonzo sur des ports australes, des lonzo qui ont 5 mois d'affinage. Et après, on a goûté du saucisson aussi, qui a aussi 5 mois d'affinage. On avait dégusté les derniers figadéliques de la saison, mais secs. Donc, c'est les figadéliques du mois de fin mars que j'ai gardés. Donc, on les a dégustés aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, il faut savoir que le figadé, à cette période, on n'en trouve pas du frais.